Salut, c'est Kaliana et on est de retour sur Assassin's Creed Origins. Donc cette vidéo sera la vidéo de la vengeance. Parce que dans la vidéo précédente, le crocodile avait tué une petite fille. Donc on va aller venger la petite fille. Et pour ce, il faut aller... on va aller chez les gladiateurs. On va aller à l'entrée de l'arène. La reine des gladiateurs. C'est ici que le crocodile recrute les membres de son armée. Il faut que j'en apprenne davantage. Diovikos, l'incarnation du guerrier. Ses poings sont plus meurtriers que n'importe quelle arme. Hé, hey, Neb, que peux-tu me dire sur les hommes qui se battent ici? Des hommes? Ce ne sont pas des hommes, ce sont des dieux. On n'a jamais vu de guerriers aussi féroces. Ils pourraient te briser les chines d'un coup de poing. Ah, est-ce que l'un d'eux a les cheveux roux? Partout les dieux, tu n'as jamais entendu parler des frères gaulois? Tu ne sens pas leurs regards? Leurs statues sont là, derrière moi. Ah, c'est plutôt à côté de toi. Alors. Là. Veridovix, loyal serviteur de la mort. Sa faux s'abat sans pitié sur les faibles. Il a une magnifique épaulière en tête d'ours. Pardon, Nebet. Tu peux me dire quel est cet endroit? Ça ne se voit pas? Tu as devant toi une arène de combat romain. Je trouve ça plutôt barbare. Mais nombreux sont ceux qui viennent dans ces lieux pour oublier leurs soucis. Jadis, c'était un temple. Pourquoi les choses doivent-elles changer? Oui. Chef! C'est toi, le propriétaire? Oui, c'est bien moi. Félix Martialis. Qui es-tu? Encore un de ces bons à rien qui cherchent à devenir célèbre? Je veux seulement entrer dans l'arène. On raconte que l'un de tes combattants est prodigieux. Les cheveux roux. Ah, j'imagine que tu parles des frères gaulois. C'est exact. Mais je vais te dire une bonne chose, Chameau. C'est beaucoup trop cher pour toi. Alors va-t'en, tu vas faire peur aux vrais clients. Chef, il porte un insigne de Medjay. De Med quoi? C'est censé m'impressionner. Tu sais te battre? Ça se pourrait finalement avec tes airs de... chien pelé. Non. Non, j'ai déjà une égyptienne bien féroce. Une chasseresse de Siwa qui en vaut trois comme toi. Si tu as envie qu'elle te fasse mordre la poussière, va lui parler. Elle est près de l'obélisque à l'est. C'est le seul moyen d'accéder à l'arène. Bats-toi dans la rue et un gladiateur te fera entrer. Alors, les frères gaulois auraient pris part au meurtre de Shadia. Et pourquoi sont-ils à la solde du crocodile? Je dois accéder à l'arène pour le savoir. Le propriétaire a parlé d'une gladiatrice de Siwa à l'est de l'obélisque. Peut-être que je la connais. Siwa n'est pas grand. Je ferais mieux d'aller voir. C'est peut-être Aya, hein. La sécurité de tous à Crocodilopolis, la ségrégation entre communautés grecques et égyptiennes s'impose. Tous bénéficieront de cette nouvelle. Oh, Crocodilopolis, le nouveau quartier des divertissements est là-bas. Allez! Et qu'est-ce qu'il prend, quoi? Voilà cette femme. Mais... on dirait... Ah non, c'est pas elle, hein.
Bayek ? Mon ami ! Mon frère ! Ça me fait plaisir de te voir. Qu'est-ce que tu fais dans le Fayum ? On raconte que c'est un bon endroit pour prospérer, hein ? Mais je ne m'attendais pas à t'y trouver, Kensa. Que veux-tu ? J'ai cédé au charme de la reine. Qui aurait cru ça ? Me voilà gladiatrice. Mais viens, viens, allons parler. Et boire. C'est Miss Carification. Vous avez vu un peu ? Ah, Bayek, mon rêve est à portée de main. Si seulement l'occasion se présentait, je pourrais devenir championne de l'arène. La célébrité, la richesse, le luxe, tout ce dont peut rêver une femme, hein ? C'est pour ça que je suis au Fayum, pour me bâtir une nouvelle vie et oublier le passé. Mais on me refuse l'entrée de l'arène. Tu as donc enfin renoncé à essayer de redresser les torts ? Bien, c'était une cause désespérée. La confiance de Félix se mérite. Mais ne t'en fais pas. Avec mon soutien, nous nous battrons bientôt côte à côte. En attendant, buvons. Nous irons à l'arène demain matin et je ferai les présentations. Ah, je suis heureuse que tu sois ici, mon ami. Bon, bah, on va aller à l'arène. Hein. Bonjour. Il y a un joli colis. Hein. Hors de mon chemin. À quoi est-ce que tu joues? Hein? Le scorpion attaque. Ça va bien. Ouais. Il est. Bon, j'ai perdu ses potes, ça. Maintenant, c'est qu'à tout seul. Le nouveau quartier des divertissements est ouvert. Triomphe de l'architecture. Les Grecs s'installeront dans les nouveaux quartiers rénovés au nord de la ville. Pourquoi ? Thank you.
Je veux que cet homme soit mon partenaire. Il se trouve que ce pauvre crétin d'Ibère a été mis en pièces par des lions. J'ai peut-être une place pour toi, et si Kensa se porte garante. Si vous faites équipe tous les deux, il va falloir qu'on vous trouve un nom. Que dites-vous des guerriers de Siwa? Je crois que gardien de Siwa serait plus approprié. Ce sera assez marquant pour toi. Ça ira, j'ai déjà entendu pire. Allez, entrez. C'est ici que les combattants attendent leur tour dans l'arène. Ça sent le sang, la sueur et parfois les excréments. Pour ceux qui ont tendance à faire dans leur armure, c'est ici que ça se passe. Aucun pharaon ni aucun dieu ne pourra te protéger dans l'arène, Medjay. C'est probablement ici que tu mourras. Tâche de le faire avec panache, la foule adore ça. Si par hasard tu survis au combat, t'auras droit à la célébrité et à la gloire. Et tu pourras toujours mourir au prochain spectacle. Telle est la vie des gladiateurs. Brève, mais rayonnante. Très bien. Bon, qu'avons-nous là? Ah, voilà Callistos. Callistos, ancien soldat de Ptolémée qui prétend savoir se servir d'une épée. Horus, il a été mon meilleur combattant, mais là je n'épargne personne. Aujourd'hui il ne vaut plus grand-chose, alors il entraîne les débutants. C'est une armure de l'armée de Ptolémée? La plupart des combattants n'ont pas de quoi s'en offrir une. Et puis tu sais bien qu'elle ne dure jamais longtemps. L'armée peut bien se passer de quelques armures, et ça apporte une touche d'authenticité. À propos d'authenticité, tu te battras uniquement avec les armes que je te donnerai. Je ne tolère aucune exception. Tu connais déjà Kensa, c'est sa recommandation suspecte qui t'a ouvert les portes. Bayek! Crocodilopolis accueille un nouveau champion! Ou un autre gros tas de viande en sursis. Je veux savoir s'il sait se battre. Pour en juger, qui de mieux que la grande spécialiste qui l'a recommandé? Ha ha! Qu'en dis-tu? Tu es prêt à faire teinter ta lame, vieux Medjay? Voyons si tu as fait des progrès. Quoi? Ouais, maintenant je dirais! Pas mal, vieux Medjay. Ton style manque de classe, mais tu es vicieux à souhait et plutôt efficace pour un champ de sable. D'accord, Kensa. Tu as un nouveau partenaire. Les portes ouvriront bientôt. Soyez prêts. J'ai pas le temps de réagir à ma pensée directe. Voilà les miettes que Félix va jeter sur notre passage. Ce sera une pitance bien maigre, frère. Je vais te trancher les bourses et te les faire manger. Le principal obstacle à notre gloire, les frères Gaulois. J'en ai entendu parler. Il y en avait un, il était un peu attaché. Bon, allez, c'est parti! Tout va bien, mon ami? Tu as l'air distrait. Ne t'en fais pas. Tu te sentiras beaucoup mieux après le premier combat. Je vais très bien. Mais tu ne m'as pas encore dit pourquoi tu es venu ici. Ça, c'est une longue histoire. J'ai été réduite en esclavage du temps où Ptolémée régnait à Siwa. Une crapule du nom de Septimius et son clan de voleurs avaient des vues sur moi. J'ai réussi à m'emparer d'une épée et à m'enfuir. Je suis arrivée ici et Félix a accepté de m'entraîner. Mais on a assez parlé du passé. Si tu savais comme je suis heureuse de te faire profiter de cette occasion, bientôt la foule te vénérera.
presque autant qu'elle me vénère. Oui, oui. Ensemble, nous fendrons le soleil de nos épées. C'est ce que j'aime entendre. Allons dire à Félix que nous sommes prêts à nous battre. Plus tôt nous commencerons, plus tôt nous serons champions. Il m'a filé une arme de merde. Tu vois, on peut faire du monde aussi. Non. Bon, on va aller parler à Félix. Nous sommes prêts. Vous êtes prêts. Tout le monde se croit prêt jusqu'à ce que le sang et les tripes se mettent à couler. Vous allez débuter contre des novices. Si vous survivez, on aura l'occasion d'en reparler. Deux guerriers, seuls contre tous. La foule aime les combats inégaux. Alors ne décevez pas la foule. Ni moi. Right decision, Gareth. C'est leur sang qu'ils réclament, ou le nôtre ? Peu leur importe. Il n'y a pas d'innocent ici. Ne retiens pas ta larme, frère. Eux ne se gênent pas. Tous ceux qui se battent ici connaissent les risques. Tu t'es vite habitué à cette nouvelle vie. Aïe. Il suffit de les regarder. Ils m'adorent, Balek. Les hommes, les femmes. Pas mal. J'ai tout ce dont j'ai toujours rêvé. Les sables ont plus de mordants qu'ils n'en ont l'air. Continue comme ça, mon ami, et nous attirerons le regard d'un riche mécène. Et ensuite ? Ensuite, un autre monde s'offrira à nous, mon ami. Les meilleurs gladiateurs sont envoyés en mission spéciale et gagnent plus d'argent que tu pourras jamais en dépenser. Alors faisons en sorte qu'ils nous remarquent. Pas les frères gaulois avant d'avoir battu d'autres cargaisons de Maurice. Pour être franc, j'espère que vous réussirez. T'arrêteras peut-être de me casser les noix. Que faut-il faire pour les affronter? Par le sang des dieux, toi aussi? Pensez plutôt à votre prochain combat. Puisque vous me harcelez, je vais vous ajouter des lions, des gros. Les affames depuis des jours. Vous serez leur dîner. Venez me voir quand vous serez prêts. Kensa dit vrai. Le crocodile a pu engager n'importe lequel de ses gladiateurs. Je trouverai peut-être des preuves de l'implication des frères gaulois. Et peut-être même l'identité de leur mécène. Alors là, le truc de l'arène, là, ça m'a fait penser à Rise from the Sun of Rome, là. Quand vous êtes dans l'arène, ça fait... c'est très... à peu près pareil. Nous sommes sur la bonne voie. Après tout ce temps, je vais enfin pouvoir me battre contre ces Gaulois. Tout ça grâce à toi. Moi aussi, ça me plairait beaucoup. Mais que sais-tu au sujet de ces contrats dont tu m'as parlé? Oh, Bayek, le justicier, serait prêt à se salir les mains? Les temps ont changé, Séni. J'imagine qu'on ne peut pas rester Medjay éternellement. Tu vas devoir en parler à Félix. Mais sois discret. Le meilleur moyen d'atteindre le crocodile est de battre les frères Gaulois. Comme si j'avais besoin d'une raison pour égorger les meurtriers de Shadia. Félix, il paraît qu'on emploie des gladiateurs à d'autres tâches. C'est des rumeurs. Et même si les rumeurs étaient vraies, t'es encore loin d'avoir fait tes preuves. Ton travail, espèce de chien galeux.
c'est de te battre, rien de plus. L'or se gagne dans l'arène, il se gagne pas ailleurs. Alors j'irai dans l'arène. Nous sommes prêts. Bien. Les propriétaires de l'arène de Sirène s'intéressent à vous. Offrez un bon spectacle, on en profitera tous. Oh. Bon, on a des gros chats en prime, hein, c'est possible. Ouais. Pas souvent contre des lions. Seulement quand Félix en a. Il coûte bien plus cher que les hommes. Il n'y a aucun honneur à tuer des animaux. C'est tuer ou se faire devant. De toute façon, ils sont en cage. Tout ira. Rien ne résiste aux méchants et à l'esclave. Oui, mais une cage, ça s'ouvre. Allez. 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 Hop. Ah. On a droit à Monsieur Gros. Allez. Ah, le coup de pied. Que les lions devaient être en cage. Pourquoi être pire? Il n'y a pas de règle dans l'arène, c'est nu. Aïe, aïe. J'ai bien fait de monter au niveau 35. Les gardiens de Siwa ont de nouveau gagné. Les frères Gaulois seront-ils les prochains? Bah vas-y, fais péter les frères Gaulois là. On a besoin de ses talents ailleurs aujourd'hui. Tu vas devoir te battre tout seul cette fois. Ça va bien se passer. Une autre mission pour le mécène inconnu? Les combattants trop curieux ne vivent jamais très vieux. C'est un métier qui peut être dangereux. Il y a des accidents. Je ne demande qu'à faire mes preuves. Alors gagne ce combat. T'auras ta chance face aux frères. Si tu les bats, on te remarquera. Ça va s'en tirer. Par Anubis, il faut que je gagne. Ah, t'inquiète pas, ça va venir. Allez. Oula. Voilà. Même seul, le Medjay sait se battre. Quel guerrier! On va peut-être éviter de se battre à côté du coup. Le petit, il a sauté en plein dedans. Wouah! Allez! Débarrasse de celui-là. Allez! Ça pique, hein. Allez, amène-toi. Il est tout pour les filles.
Désolé de t'avoir laissé seul, mais on dit que tu as fait des prouesses. Félix, t'avais confié une tâche. Pour le compte de qui ? Je te dirai tout en temps voulu, frère. Mais sache que notre avenir n'a jamais semblé aussi radieux. بددوك آنی خیت مینت خنیر من خیر خوتب آبا Tu t'es bien débrouillé pour un petit rat du désert. Votre heure est venue. La foule en a assez de voir Viridovix et Diovikos écraser leurs adversaires. Je compte sur vous pour renouveler sa ferveur. Encore une chose, pas de mort. Je tiens à garder mes quatre meilleurs combattants en vie. J'ai donné le même ordre aux frères gaulois. D'accord, nous ne te les tuerons pas. Mais pour ce qui est des souffrances et de l'humiliation... Ça y est, Bayek, notre heure de gloire. On nous construira des monuments et on inscrira nos noms dans les temples. On sera riches, on sera célèbres, on sera des champions. Mais tu crois vraiment que les deux en face, ils vont pas essayer de nous tuer? Voici les prétendants à la couronne, les gardiens de Siwa. Invaincu, inégalé, voilà les frères gaulois. Ah, c'est de la triche, il a pris de la potion magique. L'autre, il a une arme comme dans Bloodborne. C'est de la triche. Monsieur, c'est de la triche. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Non mais les armes Bloodborne c'est interdit. Aïe, 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 aïe. Wow. Voilà. Bien. Et deux. Oh.
Gaulois, ont été vaincus. Tu as tué la petite Shadia. Vous méritez au moins la mort. La petite près du phare. On l'a pas tué, je le jure. Nous avons fait des choses terribles, horribles. Mais ce n'est pas nous qui avons tué cette petite. Saluez les nouveaux champions. Oui, les gardiens, c'est vrai. Siwa. Nous avons vu les soldats capturer cette fille et l'amener à Berenike. Oh, au crocodile. C'est elle qui a noyé l'enfant. Elle a pris un livre, puis elle a ordonné qu'on attache une pierre à ses chevilles et qu'on la jette à l'eau. Nous, on n'a rien pu faire. C'est pour ça que tu es venu à moi, n'est-ce pas? Pour démasquer cette mécène, ce crocodile. Bayek, pourquoi tu ne m'en as pas parlé, hein? J'aurais pu t'aider. Tu es une mercenaire. Alors, tout comme eux, je ne pouvais pas prendre ce risque. Quel sera le sort des vaincus? Non. Vont-ils vivre? Bayek. Ou mourir? Tu me connais mieux que ça. Mourir. Bayek, il faut que tu saches. Mais Bayek, garde l'arme, là. J'ai toutes les armes intéressantes. C'est la vieille. Ainsi, c'était Berenike. C'est elle le crocodile. C'est elle qui a tué Shadia, qui a causé la ruine de tant de gens. Elle se voit comme une bienfaitrice, la source de la prospérité dans le Fayoum. Et son influence s'étend à toute la région. Elle tient sa richesse de son domaine au nord de la ville, le grenier de Kerkesusha, le plus grand de toute l'Égypte. Elle a tissé des liens avec d'autres personnes influentes du Fayoum. Chaque soir, elle se retire dans sa villa, où elle achète leur faveur par des cadeaux et des flatteries. Alors c'est là que je la trouverai. Je te remercie pour ton aide, mon ami. Que vas-tu faire maintenant? Me retirer dans notre villa. J'ai besoin de boire. Kenout et moi devons faire notre deuil. À bientôt, Bayek. Quand tu auras fait ce que tu dois faire, nous aurons plaisir à te revoir. Arène des Galateurs, arène des beautés. Vous pouvez revenir quand vous désirez afin de relever de nouveaux défis et qu'on voit que vous. C'est quoi le mission du jeu? La trêve de la gloire. Alors, où est-ce qu'elle est? Voilà.
position, Gere. Le grenier dont a parlé Otefres. Crocodile doit être à l'intérieur. Allez, je vais me rapprocher. Non, c'était une idée que je vais mettre maintenant. Une personne. C'est vraiment ce point-là. Je vais mettre ce qu'il y a. Une baisse. Ah, c'est bon. Bien, bien, bien. Bededuk, ani khayet. Alors, qui ferait une bonne cible? Lui? Mais qui est lui, là? Oh, il marche super bien, c'est ça? Oh, le sniper, quoi. Est-ce que j'arriverai à quitter les deux? Ah! Bien. Ouais, là, éviter la non, pas dans le mur. Allez, ça va.
On va attendre qu'il passe avec toi. Laissez le passage. Ah mais c'est innocent, il fout devant aussi. Ah de bouger. C'est bizarre de voir. C'est passé, partez, allez, on a l'avantage. Quand ils ne sont pas fous, ils sont fous. Les gardes sont très vigilants par ici. Passé. Ah, il a pas de l'identité. Il est compté. Bon, c'est le mec il part tout seul. Hein. Voilà qui tombe de musique. Les mecs qui brûlent là, faut peut-être que. Ça a l'air de le faire.
N'espère pas t'enfuir. Tu ne m'échapperas pas. Allez, amène-toi. Amène-toi. Voilà. Regarde, c'est pas assez de s'agiter. Il est. Ou arrête. Niveau 36. Parce que j'ai des temps. Enfin, j'ai pas Vas-y, assassine là. Allô. Allô. Voilà. Il y a eu du mal. Hein. Oh, bah lui, il m'avait échappé, dis donc. Les sinistres se cachent. Ouais, le mec il est dans le feu là. Protège le tirier. Quelqu'un cherche à se faire tuer. Il ne sera pas déçu. Aucun ne repartira. Fais-moi confiance. Voilà, elle s'est fait. Que ça se soit terminé ainsi, mon ami. Puisses-tu trouver la paix auprès de Maat? Quoi, c'était la fille? Oh, putain.
son arbin. Mais cafard toi-même, hein, déjà. Hein? Voilà. Tu jettes pas bêtement sur les trucs. Je vais appeler les renforts. Oh, je sais plus le dernier coup. Allez, ici, venez. Hey, le voilà. Amène-toi. Raté. Alors, eux, ils sont chiants. Marre-toi. Je fais comme le mur. Sors ton cheval, toi. Allez. Aïe. Faites diversion, pendant que je file. Ah. Allez, amène-toi. Allez, allez, amène-toi. Allez, viens. Ouais, ouais, allez. Aïe. Gagnez-moi un peu de temps. Descends ton cheval, toi. Tu as mérité la solde aujourd'hui. Continue comme ça. Ah ouais, ça fait plus mal, ça. Hein. Raté. Vas-y, c'est dur. Allez. Raté. Non, apparemment, ils sont pas calmés. Monsieur, les flèches enflammées, c'est interdit. Raté. Aïe, oh. Ah. Ouais, je me prends les deux coups. Bon, c'est qui nous... Gagnez-moi un peu de temps. Je dois partir. Ah, c'est plutôt romain à quelque part. Hein?
Et voilà. Des ennuis et des gros. Allez, amène-toi. Tu ne ressembles plus à un être humain. Amène-toi. Tu ressembles à rien. Ah là, il n'a pas voulu l'enchaîner. Eh, vous êtes calmé? Non, non. Il est... En sang, faites diversion pendant que je file. Ah, hé! C'est quoi ce jeu? Tiens, bouge ça. L'un des vôtres. Shadia. Qui? Shadia! C'est l'enfant que tu as fait noyer! Comme tous les tiens, tu es incapable de voir le grand destin qui attend l'Égypte. C'est ce que tu te forces à croire. Tu ne te souviens pas de ceux que tu as tués? Elle était la fille de Kenout et d'Otéfrès. Kenout est têtu comme les pierres. Ce registre aurait pu mettre fin à tous nos espoirs. Tu as détruit des familles. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Je détruirai tout ce en quoi tu crois, Berenike. Et j'éliminerai tous tes semblables. Pour l'instant, tout ce qui compte, c'est de venger Shadia. Son nom sera le dernier mot que tu entendras. Shadia! Qu'est-ce qui se passe? Waouh! Oh mon dieu! Un fourgon! Aya, qu'est-ce que t'essaies? Oublie Aya, tu veux bien? Abstergo est là! Ils ont dû découvrir que. Oh merde! Oh fuck! Dis! Non! Ils sont là aussi! Ok Léa, écoute, je te connais. Je sais que tu réussiras à t'en sortir. Moi, je veux bien, il faut faire quoi? Bon.
J'ai pris la lame que j'ai trouvée. Bien. Comment ça se passe? Voilà, ça c'est bien. C'est bien. Non, non, on n'a pas vu. Eh non, on n'a pas vu. الغرف خالية. جاري تفتيش الخزانات الآن. Faut que je les tue. C'est eux ou moi. Vous écoutez ceci, c'est que vous bossez pour Abstergo et que je suis morte. Alors soyez sympa, faites en sorte que Sophia Ricky n'entende ça. Je rêvais de travailler sur le projet Anonymous. Ils m'ont fait poireauter pendant 12 ans. Ça ne m'a mené nulle part. Alors j'ai fabriqué un Animus qui accédait aux mémoires de n'importe qui, même hors de ma lignée génétique. J'ai même assisté à la naissance des assassins. Des artefacts, des tombeaux qu'on croyait légendaires, c'est moi qui les ai trouvés. En me tuant, vous avez perdu tout ce savoir. Je comprends pourquoi vous vouliez ma mort. Mais pourquoi avoir tué ma meilleure amie? Pourquoi est-elle... Oh, Abby, petit. J'aurais mieux fait t'écouter.